Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, ça porte bien son nom parce que regardez, là ici, il y a une formule E et là ici, il y a le tout nouveau concept. Alors, je pense que je suis peut-être le premier à vous le présenter en live, en réel. Elle est là, je peux la toucher, la DS E-Tense Performance. Donc ça, c'est l'avenir de DS, c'est un labo de recherche juste ici en fait. Après, vous imaginez tous les ingénieurs tout autour qui bidouillent tout. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Avec la calandre à l'avant, je vais vous montrer quelques petits détails, on va en parler. On va monter même à l'intérieur. Elle est ouverte. C'est une assez grosse exclusivité. Et là, il y a même une Formule E. Alors, je ne pense pas que je vais pouvoir monter à l'intérieur parce que c'est quand même assez raide. Mais on va parler de celle-ci. Donc, comme vous pouvez voir, là, ça s'allume. C'est impressionnant. Ce joujou, là, vous êtes prêts pour les perfs? On en parle. Allez, c'est parti. Bon alors, donc ce concept car, ça va être une voiture qui va peut-être rouler. Alors, niveau production, c'est pas sûr qu'on retrouve ça en vrai sur la route. Ils nous ont donné les valeurs, ce que ça sortait. Ça sort 600 kW. 600 kW, c'est l'équivalent de 815 chevaux. 815 chevaux là-dedans. Ça pèse seulement 1200 kg. Imaginez-vous, 815 chevaux pour 1200 kg. C'est dingue, une Bugatti Chiron, ça n'a même pas ce rapport poids-puissance. Là, on est vraiment dans la démesure au niveau du couple. Ils ont donné les chiffres du couple aux roues. 8000 Nm. 8000 Nm, c'est juste aberrant. Une Lamborghini Aventador, c'est à peu près 700 Nm. 8000, hallucinant. 0 à 100, c'est donné pour 2 secondes. 2 secondes, c'est pareil, c'est à 2 secondes. Il n'y a pas grand-chose qui fait 2 secondes au 0 à 100, hein. Je crois que le mieux que j'ai essayé, c'était la Taycan Sport Turismo qui faisait 761 chevaux en 4 roues motrices et on faisait 2 secondes 9. 2 secondes. C'est une vie, une seconde de différence. Hallucinant. Donc, châssis full carbone. C'était basé sur le châssis de l'ancienne E-Tense. Ils ont retravaillé tout le tour. Il y avait une Formule E à côté, donc qui est toujours juste là. Car ça reprend les mêmes batteries, ça reprend le même moteur. Sauf que là, l'avantage, c'est qu'on a moteur à l'avant, moteur à l'arrière. Ça reprend le même freinage qu'une Formule E. Mais ce qui est prévu avec cette voiture, c'est que cette voiture n'utilise jamais les freins, jamais les disques de frein ni les plaquettes, et qu'elle régénère seulement tout le temps grâce au freinage électrique. Donc elle accélérerait mais d'une puissance de folie et elle freinerait d'une puissance de folie. Elle peut être rechargée en 350 kW. 350 kW, ça lui permettrait de régénérer sa batterie de 0 à 100%, donc lorsqu'on la rechargerait en seulement 5 minutes. Ça aussi, c'est cool, parce que imaginez-vous, si toutes les voitures électriques pouvaient être rechargées en 5 minutes, je pense que l'avenir serait assez différent. Au niveau des batteries, les batteries sont positionnées derrière les sièges, donc pas totalement sous le plancher, ce qui pourrait avoir un très bon équilibre, mais elles sont derrière les sièges, je vous montrerai ça juste après, intérieur, et c'est une architecture 900 volts. Alors, on ne sait pas tout, parce qu'ils ne veulent pas tout nous dire, mais 900 volts et jusqu'à 815 chevaux. C'est beau. Alors, sur l'avant, là, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a des LED qui s'allument, qui s'animent. Donc, la face avant est créée avec 800 LED. Donc là, comme vous pouvez voir, ça bouge de partout, c'est animé, les clignotants seront là sur le côté. Et ça, c'est le futur de DS. Donc, il y a la nouvelle DS4 qui vient à peine de sortir, qui prévoit pour les prochaines années le style de DS. Et ça, c'est pour la génération qui arrivera encore après. Donc, on peut s'imaginer que dans 4, 5, 6 ans, les DS ressembleront à ça. Pareil sur la face avant, il est prévu chez DS que en 2024, 100% des voitures soient électriques. Donc, enfin, que dans la gamme, il y ait forcément toutes les voitures qui sont électriques. Donc, ce qui permet de créer de nouvelles calandres. Là, pareil. Vous voyez, il y a le DS, mais qui est en relief en 3D avec de l'éclairage intérieur qui donne vraiment une autre atmosphère à la voiture. Pareil, les feux, donc c'est un petit peu différent. Actuellement, c'est descend comme ça et ça revient là, à cet endroit-là. Et là, ça, c'est sûrement le futur. Vous le voyez là. On a le petit logo ici, DS Performance. On a une lame tout en carbone, puisque ça, c'est une voiture vraiment faite pour développer, aller chercher la compétition. On a des petites entrées d'air juste ici et là, un tout petit peu également pour que ça aille à l'entrée au moteur ici et ça pour aller refroidir un petit peu les batteries. Les batteries, pareil, système très spécifique, batterie avec des cellules en carbone et en aluminium avec un refroidissement qui passe à travers les cellules pour refroidir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Ça permet, lorsqu'on va demander énormément d'électricité, ça va tirer énormément, donc ça chauffe. Donc, il faut un système de refroidissement beaucoup plus performant qu'une voiture de base. Et pareil, au freinage, on va régénérer tellement d'énergie dans les batteries, comme une Formule E, que ça va chauffer également. Donc, système de refroidissement assez différent.
On le voit bien ici, la peinture scarabée, comme ce qui avait été présenté sur la DS9. Je vais vous montrer la DS9, elle est juste là-bas, avec cette peinture scarabée mate, avec des reflets très différents selon la lumière, selon l'angle de vue et selon les couleurs. Donc, on n'a pas toute la carrosserie en carbone, mais on a beaucoup de parties en carbone, tout ça là, les arches de roue, toute la lame, tout le côté, lame avant, tout en carbone. Comme je disais, le châssis en carbone. On a des jantes en 21 pouces, donc pareil, on peut voir que c'est assez fermé ici. Donc là, les jantes sont toutes en métal, et le fait d'avoir... Pareil, là ici, une partie fermée, ça joue pour l'aérodynamique. On voit même écrou central, donc c'est vraiment une vraie voiture de course qui est inspirée de ce qu'il y a sur la Formule E, juste derrière, des petits rétros très profilés du carbone là. Enfin, c'est hyper sexy, regardez-moi tous ces détails sur cette voiture. Pareil, poignée affleurante juste ici. Citroën, s'il vous plaît, sortez, ou DS, s'il vous plaît, sortez des voitures de ce style-là. Ça donne tellement envie, ça fait rêver. Et moi, j'ai qu'une seule envie. Si les gens de chez DS vous m'écoutez, je veux essayer ça, s'il vous plaît. Je veux essayer, s'il vous plaît, soyez gentils. Oui, ou la Formule E, mais ou n'importe, je veux essayer, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord, hein, les amis, faut qu'on essaye ça sur la chaîne. Vous seriez contents, vous aussi. Hein. Au niveau du freinage, comme je vous disais, derrière ces grosses roues de 21 pouces, c'est le freinage de la Formule E. Donc, je vais vous montrer directement, là, comme ça, comme vous pouvez le voir, sur la Formule E, c'est des freins carbone céramique avec des étriers Brembo. Comme c'est une voiture légère, comme... la voiture là-bas, utile, mais comme je vous disais, ils prévoient que ce soit inutile puisqu'ils veulent régénérer toute l'énergie grâce au moteur électrique. Sur l'arrière, on reconnaît toujours DS grâce à ça, ça ressemble à ce qu'il y a vraiment sur les DS actuels, les feux full LED, les clignotants, regardez ici, à quel point c'est vraiment cool, si seulement vous pouvez avoir ça sur les voitures. Là, sur le côté, ça ressemble un petit peu à une McLaren P1, quand il y avait les phares sur les côtés. Le DS Performance ici, pour nous rappeler ce que c'est, le gros logo E-Tense, longue barre qui nous rappelle ce qu'il y a sur le capot de la DS9 ici. C'est vraiment ultra sexy, le gros diffuseur full carbone qui remonte bien et qui va super bon. Regardez, je peux mettre tout mon bras dedans. Hallucinant, le feu de Formule 1 ici, le gros logo DS. Il nous en faut sur la route, c'est absolument obligatoire, c'est juste waouh. Donc ici, comme je vous disais, les clignotants, les tout petits rétros, tout fins sur le côté. Pas de caméra, ça aurait été fun d'avoir des caméras également. Et peut-être même un aileron pour amener plus d'appui. Regardez, on voit ici presque qu'il y a deux petites choses. On pourrait peut-être supposer qu'on pourrait rajouter un aileron ici. Bon, et ça, vous connaissez si vous regardez un petit peu la télé, la Formule E, donc avec DS. J'avoue que ça surprend, c'est un petit peu comme une Formule 1, mais ça paraît presque plus agressif. Et le fait qu'il n'y ait pas de gros ailerons et tout à l'arrière, c'est waouh, ça faisait des années que j'en avais pas vu en vrai. On monte. Je sais pas comment on fait. Non, je vais me faire engueuler. Je vous avoue que j'ai bien envie. Bon, moi ce que j'adore sinon, c'est piquer les volants. Hop, on fait ça. Et là, j'ai un volant de Formule E. Bon, je vous montre parce qu'il y a le même là-bas. Ils ont mis la même chose. Allez, je vous amène à l'intérieur comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne. Sauf que là, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Siège full carbone, double écran, avec un écran là-bas qui donne toutes les infos, l'énorme compteur ici, le volant de Formule E ici, donc ça c'est un vrai volant, ça vaut plus d'une centaine de milliers d'euros tellement qu'il y a de technologie à l'intérieur, des sièges full carbone comme vous pouvez le voir ici, et les batteries donc sont placées à cet endroit-là, donc sous ce coffre c'est rempli de batteries ici, on a de l'Alcantara partout, des harnais. Et on va aller se poser à l'intérieur. Les amis, c'est pas tous les jours qu'on peut se poser dans un concept car, mais regardez ça. Le tout petit volant ici, l'animation. Ça, donc on reconnaît un petit peu tout ce qui est chez DS ici, grâce à ces touches de cette façon. Là, on a des boutons, je sais pas à quoi ça sert, ce sera sûrement pour le développement et la course. J'ai tout le plafond ici en Alcantara. C'est hyper, hyper sympa. Donc là, hop, et les harnais sur l'arrière de cette façon. Le petit volant, ça donne envie de la démarrer. Le pédalier ici, en alu. Donc là, on a de vraies raisons que ça soit en alu. Et pareil, vous pouvez voir, alors je ne sais pas si vous voyez bien, le châssis est en carbone également, tout cet endroit-là. Et les pieds donc sont beaucoup plus hauts. Donc j'ai une position relevée, un petit peu comme dans une Formule E. Sur la porte, bon, on a un petit peu de cuir, parce que c'est un concept, et ça doit être joli. On a même des enceintes focales, juste énormes. Bon, on l'essaye? On fait comme d'habitude, on va l'essayer ou pas? Au tableau de bord, on voit ici, pareil, donc il y a de la déco, DS, c'est bien fait. Il y a du cuir, ça donne vraiment envie. Sur les bas de caisse, ici, donc sur le seuil de porte, le E-Tense pour nous rappeler que c'est électrique. Et regardez cette poignée.
Ils ont pensé à tout, hein, même sur le concept car, pour faire de la piste. Voilà à quoi pourraient ressembler les écrans du futur, hein, parce que c'est un centre de recherche et c'est la technologie du futur. Donc avec des couleurs quand même beaucoup plus jolies que ce qui se fait maintenant, des puissances, et on voit que c'est vraiment totalement autre chose. Et je vous avoue que moi ça me plaît bien, hein, parce que l'écran est de très bonne qualité, et enfin même l'image, c'est quand même beaucoup plus sympa que ce qu'on a actuellement. Et là, bon, alors cet écran, par contre, c'est juste pour la démo pour le moment, et voilà ce qu'on a. Je vous remontre avec un projecteur parce que c'est un petit peu dans le noir. Donc les sièges de cette façon. Hop, donc full carbone, les batteries à l'arrière. Regardez, donc là, on voit du carbone. Le pédalier, je vous montre un petit peu mieux. Et l'intérieur. Waouh! Les portes, ça. On va faire le tour comme ça. Ouais, rigolez, mais j'ai piqué un gros spot. Les jantes, donc en 21 pouces. Ici, donc on voit un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir, mais donc là, on a des moteurs électriques et tout le système, l'écrou central, les arches de roue en carbone. Ici, ça, je peux vous montrer sans la lumière. Donc, regardez à quel point c'est très, très sympa. J'adore. Regardez donc le diffuseur, juste énorme, avec le Itens, donc full carbone. Lorsqu'on remonte, ah, ça s'est éteint. On a le logo ici également. Une caméra qui pourrait être au centre pour voir ce qui se passe derrière. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, regardez la longueur, tout l'espace, les feux sur les côtés, donc qui ressemblent un petit peu à la P1. J'adore. Ce qu'on peut faire avec les LED, c'est vraiment juste extraordinaire. Et le look vu d'ici, regardez les clignotants qui défilent. Hop, bon, alors dommage, je ne sais pas, c'était très longtemps. Voilà. Les rétros. Donc ces tout petits rétroviseurs ici. Et là on peut voir donc la couleur un petit peu scarabée. Le carbone partout. Les écrous donc avec une autre couleur lorsque c'est de l'autre côté de la voiture pour se rappeler. Et sur l'avant, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On aime bien le futur de DS ou pas? Et ce logo, comme je vous disais, en 3D. Regardez, c'est assez cool, fait que ce soit illuminé de partout avec plusieurs couches. Et donc ces feux ici où il y a plein de LED avec plein de petits détails. Et la lame en carbone également, juste sur le bas, avec des entrées d'air. Donc on a des entrées d'air là et un petit peu plus bas. Donc là, on a le capot. Je pense pas que j'ai le droit de le lever et puis il y a tellement d'électricité là-dedans, j'ai pas envie de mettre mes mains à l'intérieur. Mais voilà à quoi ça ressemble. Alors, je sais pas si vous voyez là, mais là il y a des conduits d'air qui viennent ressortir, juste de l'autre côté ici, avec le petit côté aéro. On le voit ici. Donc pareil, un petit peu d'aéro, parce que l'aéro, c'est toute la base de l'efficacité, surtout avec de l'électrique. Et donc là, on a une belle vue de côté. C'est vrai que c'est quand même sexy, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez quoi des proportions? Moi j'aime bien, je trouve ça assez équilibré. Et ça ressemble peut-être même à une Alpine en fait, sur l'arrière. Vous trouvez pas que par là, on a un petit peu une sorte d'arrière d'Alpine? Bon, j'ai les harnais. Y a plus qu'un, non? Hop. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à mettre plein de pouces, à partager au maximum. Et puis peut-être qu'un jour, on aura la chance de l'essayer sur la chaîne. Ça, je l'espère vraiment. Bon, allez, à bientôt. Ah, il faut jamais mettre les harnais. Avant de vouloir fermer la porte. Bon, j'ai pas mis l'autre côté, mais... Bisous. Quoi, j'ai bien le droit de m'y croire, hein.